Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans le défi des 100 jours, une nouvelle vidéo, jour 21, je crois que c'est ça, jour 21, hier j'étais au jour 20, aujourd'hui je suis au jour 21, exactement. Alors, quoi vous dire de beau? Alors je suis tombé malade hier, j'ai pas été en forme, c'est pour ça que j'ai pas fait déjà deux vidéos, que j'ai pas fait de contenu en plus sur ma chaîne YouTube, etc. Parce que ben, j'ai tendance à sortir sans écharpe. J'ai encore un peu malade là, mais j'ai tendance à sortir un peu découvert. Et effectivement, je pense que j'ai chopé la crève ce week-end, donc j'ai été vachement pris au niveau des bronches et tout hier. Bon là, ça va un petit peu mieux, même si je parle encore un peu du nez, mais voilà. Pour vous dire que ça a été un peu compliqué, que j'avais pas envie de faire de vidéo hier sur le défi des 100 jours, j'avais pas envie de... j'avais envie de rien en fait, j'ai quasiment presque pas dormi, mais j'ai quasiment rien fait hier après-midi. Mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même fait d'autres choses à côté, c'est que mon projet BioLive est en train de prendre une direction qui est juste extraordinaire, qui est juste géniale. Je voulais vous en parler justement parce que c'est le but de mon défi des 100 jours. J'arrive pratiquement au quart de cette saison et c'est excellent parce que je ne la lâche pas. Je continue à attirer des nouvelles choses, je continue à attirer des nouveaux contrats, je continue à être positif, à attirer surtout plein de choses. Je crois que je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, mais je suis en train vraiment de me rapprocher vers... de l'aide. J'avais mis cette intention d'avoir de l'aide dans ma société et il se trouve que une stagiaire, enfin une personne qui recherche un stage que je connais, aimerait bien travailler avec moi et en plus aimerait bien travailler dans le projet BioLive parce qu'il y a tout à créer sur le projet BioLive. Et ce qui est ouf, c'est que ouf et cool, donc ce qui est couf, exactement. Ce qui est ouf, c'est que elle travaille dans la communication et donc ça pourrait être vraiment pas mal pour qu'elle m'aide un maximum, les réseaux sociaux, la communication, le graphisme, etc. Et peut-être avec, on ne sait pas dans le futur si ça l'intéresse d'intégrer la boîte. Voilà. Quoi d'autre aussi, j'ai une amie de Bali, je crois que vous en avez parlé sur ma chaîne YouTube, qui est dans le développement personnel elle aussi, qui a déménagé à Bali, qui est devenue coach, enfin qui commence à faire sa certification de coach là-bas, qui fait des retraites, etc. Je lui ai proposé l'idée. Elle est super emballée, elle aussi. Elle est très très contente que ça évolue. Elle a vu plein de choses qu'il faudra peut-être évacuer, mais elle veut bien me donner un coup de main. Donc ça aussi, c'est cool. Et puis, elle a travaillé dans l'événementiel. J'ai ma pote également, Nicole, qui travaille, qui est assistante de direction dans l'événementiel et qui veut bien me donner un coup de main aussi sur ce projet. Mais je vous en avais parlé de toute façon dans la vidéo. Et mon ami Marc, j'avais dit aussi dans la précédente vidéo, qui lui va faire une retraite en juin. Qui va faire Saint-Jacques-de-Compostelle, tout simplement, et aimerait trouver des sponsors. Et je lui ai dit, bah, ça tombe, parce que cette boîte-là va évoluer, va commencer à grandir. Je pense commencer par BioLive Prod, vraiment commencer par la petite chose. Si c'est pas déjà fait, allez voir, hein, je vous mets dans la description, ou même la petite fiche là-haut, la vidéo qui parle de ce projet. Je vais en refaire une autre pour parler vraiment plus posé du projet, de comment il avance, donc l'épisode 2. Je pense la faire aujourd'hui et la diffuser demain. Mais voilà, et donc mon ami Marc serait intéressé parce qu'il cherche quelqu'un qui pourrait le produire au niveau des vidéos. Il aimerait faire un reportage sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et bien, quoi de mieux qu'une production spécialisée dans le développement personnel, tout simplement. Voilà, donc c'était un peu pour vous donner le ressenti. Là, j'ai beaucoup de boulot qui vient de tomber. J'ai des offres de contrat qui viennent de tomber pour cette année. Donc c'est dingue, je suis en train de travailler dessus. C'est complexe, mais ça va le faire. Donc ce qui est cool... On ne sait pas comment va évoluer la situation, il va falloir se concentrer parce que là, ben, malheureusement, on nous annonce un nouveau confinement, hein, je crois que vous êtes au courant, donc il va falloir se positiver un max, trouver de nouvelles choses pour s'adapter et pour inviter les gens à être plus positifs, à ne pas déprimer en cette période qui va être très très complexe, je pense. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben, abonnez-vous, likez la page, suivez le défi des 100 jours. Je suis super content également d'inciter des gens à passer le cap du défi des 100 jours. Donc faites comme moi si ce n'est pas déjà fait. Procurez-vous le livre ou pas. Hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. Vous pouvez le faire avec le site défidescentjours.fr.com, je ne sais plus. Voilà, on va dans une direction positive pour 2021. On se positive à fond et je serai là pour vous positiver toujours avec ce genre de vidéos, avec plein d'autres vidéos qui arrivent. Voilà, c'était Vin, je vous fais d'énormes bisous pour ce jour 21. On se retrouve dans la prochaine vidéo du défi des 100 jours et BioLive également. Ciao !